en question. អង្គជំរាបរកម្មតកិច្ចសម្រាប់ការមុននឹងផ្ដល់វិការជូនទៅមេធាវីការពារក្តីសួរដល់សាក្សីរូបនេះអង្គជំរាបសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីបានជៀបថាឥឡូវនេះឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំនាញPTCE 1060គឺបានបកប្រែរួចរាល់ហើយហើយបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងរួចហើយហើយអង្គជំរាបសម្រាប់ថា នឹងធ្វើសัมมนาការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរូបនេះតាមកាលវិភាកដែលបានកំណត់ដោយនៅវេលាសេសសល់ថ្ងៃនេះគឺយើងជាប្រធានអង្គជំរះនឹងតាំងសំណួរបឋមចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះហើយសម្រាប់ហើយសัมมนาការគឺលើកបន្តទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកដែលនឹងភាគីអាចតាំងសំណួរដេញដោល ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្ខីកម្មអ្នកជំនាញរូបនេះបាទតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ហើយដើម្បីបង្កើនល្បឿននិងសន្តំពេលវេលាសម្រាប់ភាគីក្នុងការសួរដេញដោលហើយនៅថ្ងៃនេះក៏អង្គជំរះនឹងបំរុងទុកនៅសាក្សី PTCW 1042ផងដែរសូមភាគីជ្រាប Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais peut-être quelques questions à poser avant de laisser la parole à Monsieur le Président. Les bateaux de pêche qui se trouvaient dans les eaux territoriales du Cambodge. Et vous avez dit que vous n'aviez jamais reçu d'instruction venant de la division. Et pour l'instant, vous avez quand même dit que vous aviez reçu des instructions qui étaient de ne pas couler les bateaux de pêche. Alors, j'aimerais que vous me disiez qui vous a donné ces instructions. Si ce n'est pas la division, qui est-ce qui vous a donné ces instructions? Est-ce que vous pouvez tout d'abord confirmer que vous n'avez reçu aucune instruction de la division concernant la conduite à tenir vis-à-vis des bateaux de pêche qui se trouvaient dans les eaux territoriales du Cambodge? Donc, qu'est-ce que l'on doit comprendre? C'est que les instructions ne venaient pas directement de la division, mais qu'elles étaient relayées par le régiment. Ce que vous receviez, c'était uniquement des instructions venant du régiment. Par ailleurs, vous avez dit quelque chose ce matin que je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de votre connaissance de la géographie des îles et des eaux territoriales du Cambodge dans la zone qui était sous votre responsabilité. Et vous avez dit que vous connaissiez cette géographie et je comprends que vous avez dit que
il n'était pas possible qu'il y ait des pêcheurs qui viennent dans ces eaux. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Parle de pêcheurs vietnamiens. Khiêm chẳng xâm đại từ lưu tuốc nê sát Việt Nam, mình nói miền tuốc nê sát Việt Nam chôl mà đại tất khmai thế. Qui sont venus dans les eaux, qui étaient sous votre responsabilité. Khiêm xu mùi tiết thả ta miền ân thlop miền tuốc nê sát Việt Nam chôl mà đại tất khmai đại lô cổ cổng đại rưu tế. Bà xâm đu nế được khiêm bị chạy mà đòn này, tại khiêm bị chạy mà đòn thế cứ thả. Nây đại thầy nê sát nắng cứ thà chia buôn chia miền cặp lương miền ấy nắng cứ miền tụ nghề sản nắng chia rụp riêng tụ nghề sản bàn chạy sẽ lấy miền cặp lương nắng cho man sẽ lấy nó J'entends bien. Est-ce qu'il vous est arrivé, quand vous étiez en fonction, de voir des bateaux de pêche qui étaient des vrais bateaux de pêcheurs, qui n'étaient pas armés? Bien. Même question. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des bateaux qui contenaient des réfugiés? Bien. Vous aviez dit que quand vous rencontriez des bateaux qui étaient armés, il y avait ensuite un combat. Est-ce qu'il vous est arrivé de couler des bateaux à la suite d'altercations, à la suite de combats entre vous et ces bateaux? Pil bánh chun cá cánh bánh thầu bua thầu ấy rứ có miền khác có lịch hay hay là cái bánh hàng cái nhóm cái nhóm có miền lịch miền thầu bua miền thầu làm về miền chẳng mà đòn ca ca chun này. Et dans le cas où vous, vous couliez un bateau vietnamien, est-ce que vous dites qu'il y avait des blessés? Est-ce que vous alliez porter secours à ces blessés? Est-ce que vous allez voir qui étaient ces personnes qui avaient tiré sur vous? Và cả bánh ấy cứ bánh nhóm bàn đọc nơi đi phật rồi tụ đôi khía về hạ bài khía đấy chẳng cứ bánh bánh trâu hết cứ rột riêng luôn này khác nhóm có một co đây để mấy cà phê chúng nuôi vì lương thom cây cái đành điện còn bà kia mình nấu thế này bà kia mình rót tránh đang điệp thèm cũng nấu đây đầu tiên. Est-ce que quelqu'un est allé vérifier si les personnes qui étaient dans les bateaux, quand les bateaux découlaient, si ces personnes portaient des uniformes militaires, étaient des soldats ou étaient des civils? Est-ce que quelqu'un a fait cette vérification? Khiêm một cọ mó một cọ khiêm em cọ khiêm mó cái tu kỳ rằng mà nó còn cái kỳ vô cái đầu rằng bù rằng ngày đầu rằng tu rằng ngày đầu.
Oui, mais comment vous pouvez dire que ce sont des soldats blessés, chân, des soldats, si vous n'êtes pas allé vérifier sur place, hiên, si vous avez des uniformes, si vous avez On parle bien de bateaux de pêche. Alors, on ne parle pas de bateaux militaires. Ce sont des bateaux de pêche. Qui étaient armés. Donc, comment pouvez-vous savoir que à bord de ce bateau de pêche, il y avait des soldats? Alors, chẳng nhóm xua lô tha hạt ấy có lô ai đăng thả nâu lơ tụ này xa nâng miền thể hiền sầm luôn ấy lô khi mà anh bị chạy thằng đời mới đối chiến lưu lượng chùm luôn đi chọn là đè đó thấy khi mà bị chạy đi đấy cứ thờ cà bánh cái này nâu trường tất nhóm có rụp hiệp này bánh slop đấy bánh rột màu cà phê luôn ai kế coi chân cái bánh cái rột tàu lại cái bánh hay cà bình nết ấy dương man nó bình nết đi ai rụp hiệp chỉ để hiên rư mình hiên không mình thay chỉ để hiên này rư còn mình hiên này bánh nã na đó đây để nguyên cặp lương bánh hàng cái nhóm bánh bình hài nhóm ba bị chạy hơi bên đó bien dernière question avez-vous vu des bateaux militaires vietnamiens dans les eaux territoriales du Cambodge Việt Nam là chôn mà lên đan tắc mai đại rồi thì rồi có lục lọp bàn khơi tại tụ này xa thì cá bắt sầm ngu đấy không trả lời hỏi phần lục số tiền nhóm xong bị chạy và thèm tiền cho cứ thà cặp báo nhóm bàn khơi thì khơi này cái nô là khơi cặp báo Việt Nam đây rồi đây nhóm bị chết cú tất cả đôi chân cặp báo Việt Nam chôn cho đây là anh khai pour que les choses soient parfaitement claires. នៅបាយអាចច្បាស់ទាំងអស់គ្នាព្រោះថាតាមការបកប្រែយើងសាប្រាំងរឿងមិនសូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកនិយាយពាក្យថានាវានឹងលោកសំដៅលើនាវាយោធាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនៃនាវានេះគឺជាយោធាហើយគេកប៉ាល់ចម្បាំងឬក៏ដូចជាកប៉ាល់ចម្បាំងនាវាចម្បាំងនឹងហៅថានាវា Je vous remercie, monsieur le témoin, pour votre précision. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de Monsieur Que Sampan aux côtés de mon confrère Kang Samon. Et j'ai quelques courtes questions complémentaires à vous poser compte tenu de l'ensemble des questions qui vous ont déjà été posées. Je vais d'abord m'intéresser à la période visite à Phnom Penh en décembre 1978 et à la réunion à laquelle vous indiquez avoir assisté avec Chum et Que Sampan. Une première question de précision, qui était ce Chum? Chum, une précision aussi par rapport à ce que vous avez dit antérieurement. Là, j'ai compris que
vous avez assisté à cette réunion donc en présence de Chum et de Khe Somphong, mais lorsque vous avez relu votre déclaration du CDCAM, vous avez fait quelques précisions et apporté quelques annotations. Je voudrais que vous puissiez clarifier pour la Chambre et les parties ce que vous avez voulu dire. Et là, je me réfère au document E3/9817A à l'URN en français 01308963 à l'URN en anglais 01313343 et à l'URN en Khmer 01033939. Et voilà ce que vous dites dans le cadre de la notation. Vous dites, non, je ne contrôlais pas le ministère de l'Industrie, mais on m'a ordonné de déporter les ouvriers de l'industrie. À cette époque, j'ai rencontré Chum, surnommé Sec, pour organiser la déportation des ouvriers. J'ai vu Khe Somphong, mais brièvement. Enfin, je n'ai pas parlé avec lui. Fin de citation. Donc, ma question de clarification est de savoir, quand vous dites, je n'ai pas parlé avec lui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que dans le cadre d'une réunion, on a l'impression qu'il y a des échanges avec des personnes. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous vouliez dire quand vous dites, je n'ai pas parlé avec lui? D'accord, les Vietnamiens étaient aux portes de Phnom Penh. Donc, ma question est donc que vous avez vu Khe Somphong à ce moment-là, au moment où les Vietnamiens étaient aux portes de Phnom Penh. Première question, je sais que vous avez indiqué hier que, comme vous ne connaissiez pas bien Phnom Penh, vous ne savez pas exactement à quel lieu a eu lieu cet entretien. Est-ce que vous pouvez quand même préciser, décrire le lieu? Est-ce que c'était dans une usine? Est-ce que c'était dans un bureau? Et est-ce que c'est vous qui vous êtes déplacé à cet endroit? Sans vous souvenir de l'endroit exact, est-ce que vous vous souvenez si c'était une pièce qui ressemblait à un bureau administratif ou est-ce que c'était dans une usine ou un autre endroit? Est-ce que vous avez ce souvenir-là ou pas?
លក្ខណៈជានៅក្នុងរោងចក្រឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងទេលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេពីលក្ខណៈឬក៏ត្រង់ត្រាយនៃកន្លែងដែលលោកប្រជុំហ្នឹងណាបាទដូចរៀងដូចជីវិតនៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងកន្លែងណាខ្ញុំក្តាប់បានស្គាល់ភូមិសាស្ត្រ Là encore, je voudrais essayer de voir si vous pouvez faire appel à vos souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez si, pour rentrer dans cette maison, vous avez dû passer par un poste de garde est-ce que vous êtes entré librement Vous avez indiqué que les Vietnamiens étaient aux portes de Phnom Penh. Est-ce que vous savez exactement à quel endroit étaient les troupes à ce moment-là? Est-ce que vous avez une information sur le lieu où étaient les troupes vietnamiennes? À quelle distance de Phnom Penh? បាទវៀតណាមចូលដល់មកពីស្ពានលីបុងស្គាល់ស្ពានលីបុងតាមផ្លូវធំហ្នឹងហើយទៅដល់ណែស្ពានជួយស្ពានជួយវាហ្នឹងហើយស្ពានជួយវាហ្នឹងនៅរថក្រោះនៅហ្នឹងហើយបានខ្ញុំរត់ឯការចូលរបស់វៀតណាមបងមិនមានបាញ់អាវុធបាញ់អីមានរថក្រោះ D'accord, donc moi ma question plus précise c'était le jour où vous avez eu cette réunion avec Chung et Khieu Samphan, les Vietnamiens étaient déjà à ce niveau-là au niveau du pont ou est-ce que vous parlez de quelques jours après? Moi je vous parlais vraiment du jour de la réunion, est-ce que vous saviez où étaient les Vietnamiens? J'ai dit que le pays de Vietnam est le jour de la réunion. ຈັ່ງສົມລູກຊູບັນຈາຍຈຸມນອຍຕຶກນັ້ນບັນຕິດເມື່ອຊູບເຄຍສົມພອນໃຫ້ນັ້ນຊຸມນີ້ໃນເພິ່ນແຕ່ຄໄມເວຽດນາມນະໂຈມມາດອສປຽນໃຫ້ຫຼືກໍຍັງໄມ່ບາດມຸນປຽນຫຼັງຊູບມຸນປຽນເວຽດນາມໂຈມ D'accord, donc ma question c'est au moment où vous avez cette réunion, est-ce que vous avez l'information de l'endroit où sont les Vietnamiens exactement? Est-ce que vous l'avez cette information ou vous l'avez su depuis longtemps? ដឹងទេមិនដឹងថាវៀតណាមនៅឯណាទេកាលដែលចូលប្រជុំមួយលោកខៀវសំផនហើយនឹងឈុំនេះបានអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាតាមដំណឹងគឺថាវៀតណាមមកជិតដែរហើយ Une dernière question sur Khieu Samphan. Vous avez indiqué que donc vous avez vu Khieu Samphan ce jour-là. Comment avez-vous su qu'il s'agissait de Khieu Samphan? បាទខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរគាត់ដឹងថាការជួបហ្នឹងជួបដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងតាមរយៈដែលខ្ញុំមកជួបហើយម្យ៉ាងទៀតក្រោយពីចិត្តសពុំបួននេះចិត្តសពុំបួននេះដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ឯមុនសូវស្គាល់លេដែលជួបបងមិនសូវស្គាល់ឯគាត់មិនជួបគាត់បាទស្គាល់ច្បាស់
Quand vous dites vous le connaissiez parce que vous l'aviez déjà vu personnellement, parce que vous aviez déjà entendu parler de lui et que vous aviez vu des photos. Le corps d'Aïssa, l'eau, 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 Une question sur la question de l'évacuation des ouvriers. Hier, vous avez dit un petit peu avant 15h49, j'ai dû stabiliser les forces de travail, la main-d'œuvre, et le moment venu, les ouvriers ont dû être évacués vers différentes directions selon l'itinéraire prévu. Vous évoquez un itinéraire pour l'évacuation des ouvriers des usines. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre, si vous vous en souvenez, de quel itinéraire s'agissait-il et comment les gens devaient quitter la ville de Phnom Penh à l'arrivée des Vietnamiens? ដឹកនេះដឹកទៅតាមទៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពូសាត់ឯជួននឹងខ្លះក៏មានឡានខ្លះក៏តាមជាក់ស្ដែងមានការដើរអ្នកខ្លះទៀតក៏មានជិះរថភ្លើងអីចឹងហើយមកផ្នែកទៀតទៅផ្លូវលេខ 4 ផ្លូវលេខ 4ហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏មានឡានអ្នកខ្លះក៏ដើរទៅកម្មក៏ Est-ce que le jour de la réunion, cet itinéraire de passer par Battambang, etc., est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu ou est-ce que c'est quelque chose qui a été prévu par la suite? ក្រោយហើយទេក្រោយថ្ងៃប្រជុំនឹងហើយទេបានសម្រេចថាត្រូវដឹកកម្មករចេញទៅផ្លូវណាផ្លូវណីហ្នឹងការរៀបចំដឹកវាកម្មករហ្នឹងគឺមិន ការរៀបចំដឹកវាពេលយួនមកគ្រឹបអញ្ចឹងដល់មកដល់ចឹងអ្នកណាខ្លះដល់តាមហើយជើងនោះតាមយួនណាមានឡានក៏ទៅតាមឡានទៅការរៀបចំហ្នឹងអត់បានទាន់ពេលវេលាព្រោះខ្លះមកដល់ហើយចេញយួនចេញមកដល់ពីនជួយវ៉ាកម្មករអ្នកខ្លះនៅមិនទាន់ចេញផុតផងនៅកន្លែង Vous avez indiqué que lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, vos soldats n'étaient pas présents. Est-ce que, avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez eu des renforts de votre unité ou de votre bataille? Et du coup, au moment de l'arrivée des Vietnamiens, est-ce que vous avez pu organiser les ouvriers et la manière dont ils ont quitté la ville, ou est-ce que finalement vous n'avez pu que fuir vous-même? Phnom Penh đại rồi thế, rứa cỏ lục nó bàn trăm tầm mà rốt kịch luôn luôn anh đại thế. Bà cà bết riệp chom cà mà có chênh chênh tàu hot nó soi mùi chùm luôn tôi chùm hot đi để nào nào rốt mình toàn là cái nhóm 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 chỉ là bàn tay nhóm nấu nấu còi cà mà có thì
vous situez votre réunion avec Chum et Khieu Samphan en décembre 1978, je comprends bien, vous dites environ une dizaine de jours avant l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que après cette réunion, dès le lendemain de cette réunion, l'évacuation des ouvriers en dehors de Phnom Penh a commencé? Et si ce n'est pas le jour même et dès le lendemain, combien de temps après cette réunion l'évacuation des ouvriers a-t-elle commencé? Bà ca bất chỉ cầm rung riệp chóp nấy dương ban phía xa kia hỡi cái vấn đề còn là triêm bị pro tam tầm nâng po làm miên nhằng du thì đâu cứ thà mình đăng duôn còn lư bị chàm ram thà màu chết đấy tam mà nạn dây to kia đấy đối với nấy dương còn là thà nào đấy còn là ca riệp chóp ấy mình ban chìm liền muốn bị pro mình đăng thà mà đòi thầm man thầu rốt một đòi lại nhà tàu rốn ta đòi bấp gặp đầm phân phim mòn rốn bàn đôi tam cà riệp chòm tê cà rốn này Je voudrais être sûr, vous êtes sûr que cette réunion a eu lieu en décembre 1978? Sans vous souvenir de la date exacte, vous êtes sûr que cette réunion a eu lieu en décembre et non pas à la veille de l'entrée des Vietnamiens, c'est-à-dire en janvier 1979. Mun pil da Vietnam chul mo dol prateh Kampuchea nou khae makara chnam 1979 men te. D'accord. Dernière question, vous avez dit que Chum, vous ne saviez pas quel était exactement son poste, mais avant cette réunion, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Ngay về chung nâng lúc thọp ban chụp chung nâng thế. Bạn khi mà ban chụp. Donc le jour de cette réunion, c'est la première fois ngay về chung nâng cứ chỉ lực thì mùi hai để lúc ban chụp còn. Vous vous souvenez si avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez eu d'autres réunions avec qui que ce soit? ลูกมีบ้านประชุมជាមួយអ្នកដតីទៀតដើម្បីនិយាយអំពីការជំនះកម្មករចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែរឬទេបាទខ្ញុំបាននិយាយកម្មកររូបចក្រដាស់មួយដែរ Alors, je ne suis pas sûr que ma question était très claire. Ma question est de savoir, en dehors de cette réunion avec Chum et Khieu Samphan, est-ce que vous avez assisté à d'autres réunions sur l'évacuation d'ouvriers? Et est-ce que je dois comprendre de votre réponse précédente que vous avez fait une réunion dans une papeterie? ហើយមិញនេះលោកឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចលោកឆ្លើយថាលោកបានប្រជុំនិយាយពីជំនះកម្មកកចេញពីរោងចក្រកណ្ដាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចមុនពេលទៅជួបប្រជុំជាមួយឈុំហើយនឹងខៀវសំផនហ្នឹងបាទខ្ញុំពេលដែលយួនតែលឺដំណឹងថាចិត្តមកខ្ញុំបានប្រជុំខ្ញុំប្រាប់កម្មកកមកកន្លែងហ្នឹង គាត់ត្រៀមឲ្យត្រៀមខ្លួនទៅមេជំនាញកៅនោះអត់ដឹងទេអត់ស្គាល់កន្លែងផ្សេងៗអត់ទាន់ដឹងរូបចាក់ឯណានេះ
D'accord. Dans ma traduction en français, nous avons tenu une réunion. De qui parlez-vous? Qui était présent à cette réunion dans la papeterie? Nous avons tenu une réunion dans la papeterie. Nous avons tenu une réunion dans la papeterie. บ่าดังรูปจักแน่รูปจักนั้นเวมีรูปจักบ่ไรหรือก็กระดาษខ្ញុំខ្ញុំចេះទៅចិពេលឲ្យឡើងហ្នឹងគាត់ដូចកន្លែងដូចជាប់គ្នាឬក៏មិនទេខ្ញុំជុំបានមួយកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំវាមិនទៅជុំបានឡើយហ្នឹង et qui étaient les personnes présentes lors de cette réunion? Est-ce que c'était simplement les membres de cette fusion? Et vous? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Je ne sais pas si vous avez des gens qui ont été en train de se faire. D'accord. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez évoqué hier un certain nombre de réunions auxquelles vous avez pu assister, où on vous a parlé de la politique du Cambodge en général, on vous a parlé de la défense des frontières, vous avez même dit qu'on vous avait donné des conseils d'hygiène. Ma question est de savoir, à l'une quelconque de ces réunions, est-ce que vous avez eu des informations selon lesquelles il fallait procéder à des mariages forcés, c'est-à-dire obliger des gens à se marier lorsqu'ils n'étaient pas d'accord? ปรับឲ្យលោកបង្ខំគេរៀបការដែរឬទេបានតាមខ្ញុំយល់អង្គភាពដូចខ្ញុំជាដើមដូចជាមិនមានបង្ខំអីចាប់អីទេអាហ្នឹងតាមខ្ញុំរៀបការខ្លួនខ្ញុំហើយហើយអ្នកបាក់បាក់អង្គយទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្ខំនៅបកាយខ្លួនគ្នាឲ្យបង្ខំខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនបានឃើញឃើញអង្គភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹង Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. Et mon confrère Kung Samon n'a pas de questions. Merci. ហើយគាត់នឹងអាចមកជាសាក្សីបំរុងនៅថ្ងៃខាងស្អែកនៅថ្ងៃប្រហោះសូមពាក្យគិរិបអង្គជំរះអរគុណលោកសាក្សីការស្ដាប់ទៅខេកកម្មលោកក្នុងឋានៈជាសាក្សីនេះពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសាក្សីកម្មលោកនឹងអាចរួមភាកទានក្នុងការថ្លែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះហើយលោកនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់លោកឬក៏លោកគោដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបថានៅរសៀលនេះអង្គជំរះនឹងធ
និងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោងមួយកន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ